et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour l'angle, mais vous êtes sur... Je filme avec mon téléphone, vous êtes sur un porte-gâteau, donc je fais comme je peux. J'ai essayé au niveau dessus, c'est trop haut, donc là c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai fait une commande chez Butinet, parce que vous savez, je suis en train de me faire un petit espace couture. Du moins c'est en projet, en grand projet. J'espère que ça va être réalisé assez rapidement. On croise les doigts. Du coup, je commence à m'équiper un petit peu et doucement pour avoir du choix en tissu, pour faire plusieurs choses qui me plairaient. Qu'est-ce qu'il y a, Lucky? Il y a Lucky qui est juste là, c'est pour ça si vous l'entendez. Viens, viens voir, viens dire bonjour. Tu dis bonjour là? Monte, monte. Vas-y, viens. Allez, viens, regarde, on te voit pas là. Voilà. Voilà, il y a Lucky. C'est bon? On peut faire le vlog? Le haul? On peut faire le haul? T'es d'accord, maman? Montre les achats? On montre les achats? Oui? Oh. On montre les achats? Non? Oui? Bon. On va essayer de faire avec, hein. Hein? On va essayer de faire avec toi? Oui, maintenant il fait le grand chien. Alors, tout d'abord, j'ai commandé de la vis. Alors, attendez. La vliseline, mais je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais. C'est pas grave, j'en aurai. Ça peut toujours servir. Hein. Normalement, c'était de la visseline thermocollante que je voulais, ça c'est pas ça. Alors, je me suis trompée et j'en ai pris 3 mètres. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec. Je pense qu'on peut faire une. Je sais pas. Je vais voir avec ma belle-sœur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, j'ai eu le catalogue Butinet. Le catalogue printemps-été. Voilà, je l'ai demandé. Je sais pas ce qu'il y a. Vous avez un peu tout dedans. Donc, il y a aussi bien pour la couture que pour le reste. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder ce qu'il propose. Ensuite, en petite marchandise. Parlons de. Je me mets un coup de coude dans la truffe. Ça va? On n'a pas fait bobo? Alors, j'ai pris. Deux bobines de sangle comme ça. Ça, c'est pour faire les sacs. Je m'en suis servi pour faire mon sac de plage tropical que j'adore d'amour. Et vu que je veux refaire d'autres sacs, et ben, du coup, j'en ai pris deux. C'est 2 x 3 mètres. Donc, je pense que là, j'ai moyen de me faire 3 sacs peut-être. 3 ou 4 en étant optimiste. Et j'ai pris également parce que je veux faire un tablier du genre style mini. Vous avez vu dans mon dernier haul Butinet que je vous remets ici que j'ai acheté du tissu rouge à pois blanc. Et du coup, je voudrais faire la tache autour du cou et pour lasser dans le dos en noir. Donc, j'ai acheté du ruban noir. Il y en a 5 mètres. 5 mètres sur 2 cm. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, en dernier petit accessoire, et après c'est que du tissu, j'ai pris des petites pinces comme ceci, je ne sais pas si vous verrez bien. Des petites pinces comme ceci, c'est pour pincer le tissu. Alors j'ai des épingles, mais ça c'est plutôt cool, il y en a 15 dedans, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, en tissu, donc j'ai pris, j'ai rien pris de folichon, il n'y a pas de tissu exceptionnel. J'ai surtout pris de l'uni. Pour pouvoir aller avec les motifs que j'ai, parce que j'ai beaucoup de tissus derrière, là, vous voyez pas. J'ai beaucoup de tissus à motifs et pas beaucoup d'unis, donc c'est un peu dur à accorder. Donc j'ai pris un gris comme ça. Ils appellent ça gris moiré parce qu'il y a des reflets et tout, il est juste magnifique. Il va falloir que je me fasse mes petites fiches tissus avant de les laver. Voilà. Ensuite, j'ai pris un tissu comme ceci, qui est juste magnifique. C'est un tissu aspect jean. Voilà, ça fait effet jean, mais c'est en tissu coton. Donc ça, pour faire des petites panières, ça peut être magnifique. Ou pour faire un petit sac. Bref, il y a plein de choses à faire. Hein. J'ai plein d'idées, ça fourmille dans ma tête. J'ai pris un comme ça. Alors, c'était pas forcément celui-là que je voulais. Je pense que j'aurais mieux fait de regarder. Enfin, j'aurais dû regarder un peu plus. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Donc c'est du Minky. Vous savez, c'est ce tissu, je sais pas si on verra bien, avec les, là, vous voyez, les étoiles en relief. Voilà, moi je voulais avec des rhombes, ce sera avec des étoiles, c'est pas grave. J'aimerais m'en faire soit une couverture, enfin un plaid, soit un coussin, donc à voir ce que je vais faire avec. Ensuite, j'ai pris un tissu comme ceci, ça c'est estival, on va dire. C'est un moiré aussi, si je dis pas de bêtises, voilà, un moiré mais turquoise. Ouais, j'aime beaucoup cette gamme de tissus moirés, j'ai déjà en corail. J'ai en vert, j'ai en gris, là j'ai en bleu. J'aime beaucoup, ils apportent un petit truc spécial, je trouve. Enfin bref. Donc voilà, j'ai pris celui-ci.
Bien évidemment, c'est toujours des 1 m sur 1 m 50, hein, les coupons que je prends. Ensuite, j'ai pris la même chose en bleu marine, un moiré bleu marine. Voilà, qui est juste magnifique. Ça, pour faire un petit sac avec le jaune que je vais vous montrer, ça va être juste magique. Donc voilà, un petit sac, une trousse, une pochette, je ne sais pas encore. Il en reste deux. Donc j'ai pris un jaune uni, j'aurais pu prendre le moiré, mais je voulais de l'uni. Donc j'ai pris un jaune uni qui est juste trop trop beau, il est bien jaune jaune comme je voulais. Donc voilà. Et j'ai pris un noir. Voilà, ça c'est pour faire, je vais faire mes têtes de mini dedans. Et tête de mini, et puis peut-être un sac, je sais pas, une pochette, une trousse, à voir. Je sais pas encore de quelle couleur, enfin comment je vais amener les couleurs dans mon atelier, enfin dans ma partie atelier. Les murs de la pièce sont actuellement blanc et gris souris. Les meubles seront mon plan, enfin mon bureau, tout ce sera blanc et bois. L'horloge sera blanche et bois. Voilà, je suis partie sur ce ton-là, blanc bois. Donc pour avoir des, pour marier toutes les couleurs avec, donc j'hésite entre du bleu turquoise avec ou du jaune. J'hésite. Donc je pense que je ferai des petites panières en jaune aussi, à voir ce que j'ai assez. Enfin bref, on mélangera les couleurs, on fera un truc assez fun, je pense. Donc voilà ce qu'il y avait, c'est tout. Il n'y a plus rien, c'est déjà pas mal. J'en ai eu pour la modique somme de 76,86€, sachant que j'ai une réduction de 8,54€. Donc c'est plutôt déjà pas mal, vraiment. Je suis déçue de ma vie Vliseline là. J'en ai quand même pour 15€ et c'est pas ça que je voulais. Donc c'est pas grave, mais je pense que ça me servira. Bref, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous !